crois pouvoir dire que nous connaissons probablement tous quelqu'un qui, au cours de sa vie, a pensé au suicide, a peut-être fait une tentative de suicide ou est décédé par suicide. Ou alors, vous connaissez peut-être des gens qui ont soutenu un proche suicidaire, ou alors vous connaissez des gens qui sont peut-être endeuillés à la suite du suicide. L'Organisation mondiale de la santé nous apprend, imaginez, l'Organisation mondiale de la santé nous apprend qu'au cours d'une année, il y a plus de décès au monde par suicide que de décès associés aux actes terroristes, aux homicides et à toutes les guerres réunies. Incroyable, n'est-ce pas? Et toutes ces statistiques cachent des drames humains. Et l'actualité nous ramène régulièrement à ces drames humains. Que ce soit le suicide d'adolescents, après une victime d'intimidation, que ce soit le suicide de personnes âgées mourant seules dans la solitude, ou que ce soit le suicide de militaires épuisés par des réactions de stress post-traumatique. D'ailleurs, l'armée américaine, dans les dernières années, évoquait qu'il y a eu plus de militaires qui se sont suicidés que de militaires morts au combat. C'est dur à entendre, hein, ces réalités-là. Au Québec, l'Institut national de santé publique dévoilait récemment les données pour 2011. En 2011, au Québec, 28 000 Québécois et Québécoises ont fait une tentative de suicide, alors que 1105 Québécois et Québécoises se sont enlevés la vie. 1105 drames humains, 3 par jour. La plupart des personnes qui décèdent par suicide sont des hommes, 80 % sont des hommes. La plupart sont des personnes adultes, laissant derrière eux d'autres drames humains, des conjoints, des conjointes, des enfants, des parents, des frères, des sœurs, des amis, des collègues, qui essayent de comprendre pourquoi. J'imagine comme vous, actuellement, vous êtes en train de vous dire « oui, mais pourquoi? » Effectivement, la réponse à cette question est extrêmement complexe, parce qu'il n'y a pas une raison, il n'y a pas une cause, il n'y a pas une façon, le suicide est multidéterminé. Mais par contre, il y a probablement une chose de commun qui existe auprès des personnes suicidaires, c'est que ces individus ne recherchent pas la mort, absolument pas. Elles recherchent une façon d'arrêter la souffrance. Elles arrivent à un point de leur vie où la souffrance devient intolérable. Une souffrance qu'elles portent depuis des semaines, des mois, des années, des fois toute une vie. Mais elles arrivent à un point, ces personnes, où la souffrance est intolérable et elles cherchent toutes une façon d'arrêter cette souffrance. Elles en arrivent à croire qu'elles ne pourront plus jamais changer leur existence. Et en fait, une existence qui est très différente d'un individu à l'autre. Et comment, effectivement, ces individus qui arrivent tous à un même point, de leur à un même moment, ont-ils des trajectoires variées? Et effectivement, on peut voir des trajectoires, entre autres peut-être des trajectoires d'individus pour qui la vie commence mal dès le départ. Et des gens pour qui la vie, très tôt, sont pris dans beaucoup d'adversités, de séparation, de perte, de placement, de violence, de négligence, et ainsi de suite. Et on a l'impression que ces personnes sont placés sur des espèces de trajectoires qui vont de mal en pire. Et ces individus développent éventuellement des troubles de santé mentale, qui est essentiellement l'expression de la souffrance qu'ils vivent, et se suicident souvent. Et les gens qui sont caractérisés un peu par cette trajectoire sont ceux qui se suicident le plus tôt, donc souvent comme jeunes adultes, épuisés par la souffrance, par les échecs, et par l'adversité. Une autre forme de trajectoire est celle d'individus pour lesquels la vie commence relativement bien, dans des familles bienveillantes et protectrices, mais pour qui l'adversité arrive beaucoup plus tard dans la vie, souvent sous la forme d'événements qui se multiplient en peu de temps, qui arrivent un après l'autre et qui entraînent l'individu dans une spirale où l'individu se sent découragé et n'arrive plus à croire que sa vie pourra un jour se modifier
Et les individus, souvent dans cette trajectoire, se suicident dans un moment de rupture, peut-être avec une des dernières personnes avec qui elles sont encore en lien. Une autre trajectoire est celle d'individus qui vont porter plutôt en eux une certaine vulnérabilité, un certain mal-être, une difficulté à vivre la vie et à bien se sentir dans la vie. Et par moments, les individus qui vivent ce mal-être vont le vivre de façon secrète, vont le vivre sans jamais en parler à personne. Même pire, des fois, vont faire le bout en train pour faire à semblant que tout va bien ou pour essayer de se faire croire que les choses vont bien. Et ces individus vont espérer qu'un jour, leur difficulté va partir. Et lorsque ces individus se suicident, épuisés, dans lesquels toute leur énergie a été effritée graduellement, lorsqu'elles se suicident, elles laissent autour d'eux un entourage médusé qui ne comprennent pas comment ça se fait que ces personnes-là se sont suicidées. Et effectivement, j'imagine que lorsque je relate les trajectoires comme je viens de le faire, vous êtes peut-être vous-même en train de vous dire, mais mon Dieu, c'est des trajectoires inéluctables, il n'y a rien qu'on puisse faire. Pas du tout. Mais vraiment, pas du tout. Bien au contraire. Et on peut modifier les trajectoires suicidaires. D'ailleurs, au Québec, depuis le début des années 2000, le taux de décès par suicide a diminué de 25 à 30 %. Comment ça s'est produit? Bien, effectivement, le ministère a mis sur pied au début des années 2000 une stratégie nationale de prévention de suicide. Alors, qu'est-ce que c'est une stratégie nationale? C'est composé d'un ensemble d'actions et il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites, comme par exemple la sensibilisation aux difficultés de santé mentale. Donc, des campagnes populationnelles qui sensibilisent les gens aux signes et aux symptômes de dépression. Parce qu'une différence entre le blues du dimanche soir, un découragement passager et un état qui perdure, qui reste et qui ne se modifiera peut-être plus seul et pour lesquels on a besoin d'aller consulter. Et souvent, les gens ne font pas la distinction entre l'un et l'autre et continuent à croire que ces difficultés vont finir par s'en aller toutes seules. Donc, à partir du moment où on a identifié qu'on avait ces difficultés ou qu'un proche à ce genre de difficultés, il faut aussi aller consulter. Deuxième difficulté populationnelle. Vous connaissez peut-être des gens qui ne veulent pas aller consulter. Et vous ne serez probablement pas surpris si je vous dis que beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes hommes, ne souhaitent pas aller consulter. Ils n'iront jamais consulter pour des difficultés psychologiques. Et en fait, c'est souvent la barrière. Parce que la barrière, ce n'est pas toujours l'accès à la consultation, mais l'acceptabilité de la consultation. Et si on arrive à modifier cette dimension-là, ce regard-là sur la consultation, on va peut-être aider un peu plus de personnes. Une autre action a été celle de former les intervenants de première ligne, médecins, infirmières, psychologues, travailleurs sociaux, etc., à identifier rapidement et plus tôt les troubles de santé mentale, les troubles de dépendance. On sait qu'associés au suicide, deux troubles sont extrêmement fréquents et importants, des troubles dépressifs et des troubles de dépendance, alors qu'on sait très bien comment traiter ces difficultés. Une autre action a été de mieux sécuriser les scénarios suicidaires. Entre autres, sécuriser des ponts pour éviter qu'il y ait des sauts de hauteur. Et aussi, sécuriser, par exemple, par l'entreposage obligatoire des armes à feu. Parce qu'on le sait, une arme à feu dans une maison, dans un domicile, particulièrement dans un domicile où il y a des gens vulnérables, ça augmente les risques. Est-ce qu'on a tout fait au niveau des moyens et des scénarios suicidaires, du contrôle des scénarios? Certainement pas. On peut encore faire des choses, on peut encourager les compagnies pharmaceutiques lorsqu'elles mettent en vente des produits, particulièrement les produits en vente libre, de les mettre en vente dans des plus petits formats, ce qu'a fait l'Angleterre au début des années 2000.
On peut aussi encourager les manufacturiers d'automobiles à mettre un appareil dans le moteur qui va faire arrêter le moteur lorsqu'il y a un taux de monoxyde de carbone dans l'habitacle. On a aussi, en termes d'action dans la stratégie nationale, sensibiliser les médias au message social. On le sait, et beaucoup d'expériences, d'études le démontrent, lorsque le décès d'une personne connue ou lorsqu'il y a un décès spectaculaire, un décès par suicide, et que le message social n'est pas attentif, on observe une augmentation dans les semaines suivantes et dans les mois suivants de tentatives de suicide. Donc, par imitation, les gens vont faire la même chose que cette personne célèbre. Alors, c'est important que les médias soient sensibilisés au message social et à l'importance du message social lorsqu'on parle de suicide. Et on a aussi essayé de mieux suivre les personnes ayant fait des tentatives de suicide parce que les gens qui ont fait des tentatives de suicide sont plus à risque d'en faire une deuxième. Est-ce qu'on a tout fait? Est-ce qu'on a tout fini? Certainement pas. Mais je pense que si on veut aller plus loin et si on veut diminuer encore plus le taux de suicide, ça va maintenant prendre le concours de tout le monde. Pas que d'un ministère et pas de quelques intervenants, mais de vous tous, de nous tous. Parce qu'il faut que le suicide, ça devienne l'affaire de tout le monde. Par exemple, dans la salle, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont directeurs d'entreprise? Peut-être. Alors, si vous êtes directeur d'entreprise, ce que vous pouvez faire annuellement, c'est développer chez vous des campagnes de sensibilisation à certaines difficultés de santé mentale. Vous pouvez mettre sur pied dans vos entreprises des programmes de sentinelles. Si vous avez des employés qui ont de bonnes habiletés sociales, on offre une formation pour permettre à ces employés d'aller vers des personnes dans l'entreprise qui ne vont pas bien pour leur offrir de l'aide. Si vous êtes des intervenants psychosociaux, ben, au-delà du savoir-faire que vous avez déjà, on peut aussi, lorsqu'on rencontre quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a une trajectoire de vie qui l'amène à penser au suicide, pas que voir la difficulté actuelle, mais être touché par cette trajectoire de difficulté que la personne a eue et lui laisser entrevoir comment on est touché de sa résilience et comment on est capable de lui transmettre le sentiment de confiance et qu'elle pourra changer. Et à travers ce lien avec l'autre, on rend la douleur de l'autre, la souffrance de l'autre, humainement supportable. Si vous travaillez avec des enfants, bien on le sait, des fois on pense que l'enfance c'est une période idyllique, alors qu'on sait l'enfant et les enfants peuvent vivre des drames, peuvent vivre des tristesses, peuvent vivre des échecs. Alors on peut, très tôt dans la vie, amener les enfants à se percevoir autrement. Et on peut amener les enfants à comprendre que dans la vie, il n'y a pas juste des éléments de moments de bonheur, il y aura aussi, tout au long de la vie, des moments de tristesse. Et comment peuvent-ils faire pour surmonter les moments de tristesse? Et dans nos vies personnelles, on peut aussi avoir toutes sortes d'actions. Et par moments, des actions qui peuvent nous sembler simples peuvent avoir un impact important dans la vie des autres. Par exemple, mon collègue Yao Asogba, qui était professeur à l'Université du Québec en Outaouais, a perdu il y a quelques années son fils à la suite d'un suicide. Lui et sa femme André ont vécu une épreuve terrible, mais ils ont décidé de mettre sur pied une fondation, la Fondation Lani, du nom de leur fils. Cette fondation vient en aide à des jeunes vulnérables, des jeunes en difficulté, en offrant des bourses pour que certains jeunes puissent réaliser des rêves. Alors, par leur action, Yao, André et les amis de Yao et André qui recueillent des fonds pour eux, créent des contextes pour changer, pour modifier des trajectoires suicidaires. Une collègue, Mélanie, qui est venue au Québec, une collègue suisse qui est venue au Québec travailler avec nous quelques temps, qui a fait une formation de prévention de suicide alors qu'elle était au Québec. Lorsqu'elle est retournée chez elle un soir, elle rentrait du travail et elle était sur un viaduc. Et en traversant le viaduc pour se rendre chez elle, elle voit sur le viaduc une dame qui avait des comportements un peu particuliers. Alors, elle s'est attardée, elle s'est avancée doucement vers la dame
Elle s'est mise à lui parler et la dame s'est avancée encore plus dangereusement vers le garde-fou. Et Mélanie s'est approchée vers elle et elle a vu que la dame pleurait. Et lorsqu'elle a vu que la dame pleurait, Mélanie s'est aussi mise à pleurer, touchée par la souffrance de cette dame-là. Et la dame, voyant qu'un étranger pleurait à côté d'elle, ne sachant peut-être pas si elle pleurait pour elle, avec elle, a pris Mélanie dans ses bras. Mélanie a appelé un taxi, est allée reconduire cette dame-là aux urgences. Et arrivée aux urgences, elle a appelé la famille. Peut-être que ce soir-là, Mélanie, par ses actions, a peut-être contribué à offrir un point tournant à cette dame-là. Caroline, avant d'étudier en psycho, a appris que sa maman, qui avait des problèmes de santé, des problèmes chroniques, pensait au suicide parce qu'elle l'avait dit à quelqu'un. Rassemblant tout son courage, Caroline, un soir, aborde la question du suicide avec sa mère, qui lui confirme qu'elle pensait au suicide, qu'elle voulait se suicider, et elle ne voulait pas que sa fille l'en empêche, et elle ne voulait pas que sa fille l'amène à l'hôpital. Et Caroline lui a dit, « Ben, je préfère... » Et sa mère lui a dit, « Si tu m'amènes à l'hôpital, je ne te parle plus. » Et Caroline lui a dit, « Mais je préfère que tu ne me parles plus parce que tu pourras toujours changer d'idée. Mais si tu te suicides, tu ne pourras plus jamais changer d'idée. » Jean-François, qui a participé à une étude, je vais l'appeler Jean-François, qui a participé à une étude que je menais, nous racontait qu'à une période de sa vie, il vivait une période difficile, un divorce acrimonieux avec sa conjointe, il ne voyait pas beaucoup ses enfants. Il avait l'impression que sa vie était devenue un échec. Il était fâché, en colère, dépressif, suicidaire. Et un jour, un matin qu'il était au travail, son contremaître s'approche de lui et lui dit, « Écoute, je sais que ça ne va pas bien, là. Je veux que tu arrêtes ce que tu fais. Je veux que tu ailles aux urgences, que tu vois un médecin et tiens, appelle à tel endroit. » Et il lui a donné le dépliant d'un organisme communautaire qui vient en aide aux hommes qui vivent des difficultés de séparation. Alors Jean-François nous racontait que non seulement les actions de son contremaître et les actions des gens de l'organisme communautaire l'ont aidé à avoir un point tournant, mais lui ont sauvé la vie. Donc si vous, vous n'avez pas ce genre d'occasion dans votre vie, bien, vous pouvez quand même écrire, vous pouvez signer des pétitions, vous pouvez écrire à vos députés, vous pouvez écrire à vos ministres de la Santé, vous pouvez écrire au premier ministre du Québec et du Canada et de dire que nous, on tient à la vie parce que la vie est importante et on veut que nos gouvernements se dotent de stratégies nationales de prévention de suicide. Et si toutes nos actions concertées ne servaient qu'à aider une personne, si toutes nos actions contribuer à aider une personne à modifier la trajectoire suicidaire d'une personne, alors toutes nos actions auront valu la peine. Merci.